Et coucou YouTube et bienvenue pour cet épisode du Not So Berry, cette rediffusion du Not So Berry. Waouh, c'est nichon. Bah dis donc, c'est quoi ces mots là qui commencent comme ça là? Oui, elle a des nichons, mais ils sont vieux ces nichons. Regarde, ils tombent quasiment par terre. Puisque nous retrouvons notre petite famille Rainbow. Enfin, elle est pas de la famille, hein, c'est Jenny. Jenny on the Block, qui est donc la deuxième copine de notre amie Toya. Et si elle est tristoune... Cucu YouTube. Si elle est tristounette, c'est que parce que Toya nous a brusquement quittés en fin d'épisode la semaine dernière. Donc là, elle fait pipi en pensant à lui. Mince. Oui, si je suis pas sur le jeu, je vais avoir du mal. Hein. Hop. C'est la tristesse. Et il nous restait encore à charge le Hulk que normalement... Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on avait elle. On va essayer de le dégager de là. Elle devrait pas tarder à clamser également. Et puis, bah, on avait emménagé dans une nouvelle maison à Enfield-on-Bagley pour la petite pomme. Et bah, j'avais galéré à faire cette baraque, hein, mais c'est vrai qu'il manque des choses. Parce que j'ai pas voulu trop en mettre, sinon c'était pas jojo. Ah ! Bah, ah si, alors là, il n'y a pas d'excuse, hein, j'ai mis une poubelle. Ça suffit maintenant. Merci beaucoup Carita pour ton follow, bienvenue à toi. Et comme vous pouvez le voir, mon petit YouTube, nous avons atteint... Attendez. Nous avons atteint les 3000 follow sur Twitch, donc c'est super cool. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, comme ça, vous rejoindrez l'aventure Twitch, si au cas où, un jour, ça vous intéresse. En tout cas, on est là, on vous attend. Bah oui, RIP Totoyen, mais il est mouru, quoi. C'est triste tous. Ah bah, en plus, c'était inattendu. Et puis la mort qui est partie très très rapidement, c'était inattendu aussi, elle m'a foutu. Elle m'a fait tellement peur en vrai. Mais elle va pas retarder, hein, parce qu'elle était devenue... Enfin, ils avaient fêté leur anniversaire en même temps. Hein. Donc, d'ailleurs, je vais récupérer mon aspirateur, là, avec tes conneries, toi. Si tu veux, je veux pas que tu l'emmènes dans ta tombe, notre aspi. Et notre aspirateur, c'est pas le tien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quoi? Qui c'est qui me... Qui c'est qui m'envoie des trucs, là? Ah, oui, je m'en fous, elle aime les jeux vidéo, de toute façon, elle va claquer, donc... Et aujourd'hui, nous allons donc caser notre petite pom-pom avec peut-être ben, l'un des deux, quoi. L'un des deux soupirails qu'elle avait. C'est-à-dire Christian, qui est encore ado pour l'instant, ou Raoul, qui est jeune adulte. C'est bon, Raoul, on connaît sa tronche, hein. Ah bah voilà, je vous l'avais dit, hein. Hey, crève, c'est ça. S'en fout, tu fais pas partie de la famille. Salut Anne, comment vas-tu? Bon, vous arrivez au bon moment, hein. Pff, pff. Allez. Elle, on s'en fiche, hein, parce qu'elle est pas de la famille, en fait. Donc... Rip. Ouais, rip. Le travail de Jenny commence dans une heure. Bah, elle va avoir du mal à y aller, hein. Oh, il y a deux faucheuses, regardez. Ah bah non, c'est vai. Par contre, elle est habillée correctement pour une fois, la faucheuse. C'est pas le cas tout le temps, hein. On est millionnaire, on n'a pas de quoi s'en acheter un, alors on le récupère. Bah tout... Mais oui. Non, mais en fait, c'est parce que c'est le nôtre, on l'a payé. Non mais tu sais que plus on a d'argent, plus on est radin. Oh putain. Ma pauvre pomme, tu vas devoir te taper le ménage. Non, non, c'est... t'as raison. Va pisser, va manger. Non, non, t'assiste pas, je veux pas que tu sois triste. Ouais, va manger. Ah non, bah ça y est, elle l'a vu quand même. Putain, il y a déjà des moumounes partout. L'autre, elle a pas passé la spiro avant de crever, la saloperie. Miniature, peut-être. J'aime bien quand ils font des états d'âme comme ça, incroyables. Ah, ta gueule, ah. Non, les lapins, c'est chiant, en vrai. Bon, ben, Pomme va vite se retrouver toute seule. Hein. Pomme de Rainette et Pomme d'Api. Pomme
Puis on avait commencé à bosser, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, on est déjà au niveau 3 de gourou des technologies. Mais ça va trop vite. Ah, salut la mort, comment tu vas? Enfin, la faucheuse, pas la mort. Merci beaucoup, Magdaluca, pour ton follow. Bienvenue à toi dans la team des petits culs. Enfin couché, enfin tranquille. Demain de journée en 6ème et en 5ème. Tu seras l'année prochaine. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis tranquille. J'ai trop hâte d'être en vacances. Ah. Si t'as fait ça, ceux qui ont de la thune, c'est des radins. Ouais. Alors toi, ça va, t'es pas très radine. On peut... C'est que t'es pauvre, en fait, ma petite Marie. Elle pleure parce qu'elle s'est coincée seule avec son frère. Genre le frère, tu sais, le frère sans su qui s'en va pas de la maison, tu sais. Oh là là, j'ai pu. Allez, salut la mort, à bientôt, hein. Enfin, à bientôt. Un de ces quatre... Ah, j'avais pas fait de salle de bain en bas. J'avais oublié. Bon, on va prendre une douche. Et puis, tu vas passer l'aspi. Alors, oui, ok. Faut que je me remette dans le bain. J'ai oublié ce qui se passait depuis la semaine dernière, moi. À part Toya qui est mourue et qu'il faudra que vous choisissiez. Alors, bien sûr, je parle sur Twitch, hein. C'est Twitch qui va choisir en direct quel amoureux Pom-Pom aura. Elle travaille à quelle heure? À 10h. Ok, bon bah. Alors, elle n'a pas le temps de dire ouf. Qu'elle sera déjà en train d'aller bosser. Je pars bientôt. Je vous le dirai que quand ce sera le cas, parce que j'ai pas envie que... Ah non, c'est le Hulk, j'ai failli m'être rejoindre. Parce que j'ai peur qu'il y en a qui stalk, je sais pas, enfin, c'est bête, hein, mais bon. J'ai peur. Tes états d'âme sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique. Ah oui, ça me pique quelque chose, ça. Je connais plus l'air, par contre. Moi, je suis pas riche, en effet. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis toute propre, j'ai fait tous mes soins, essayé d'être potable pour la pré-rentrée. Oh, mais t'es bien sûr que t'es potable, ma biche. T'es une petite cul. Donc, t'es une petite cul. T'es forcément la plus potable des eaux. Potable. Parce que l'eau, elle est potable. Non? Non? Et cucu, mon soldat, comment vas-tu? Pas trop besoin de plein de dans la soirée, je m'occupe de ma petite soeur qui est malade. Un petit congélateur, tu verras, ça fait des miracles, ça. Ah, mais on avait quelqu'un pour le ménage? Je m'en souvenais plus. Ah ouais! Et le passage de l'aspi, c'est dans mon cul, quoi. Hein? Peut-être qu'ils updatent les... Non. Pourquoi il y a des clous? Ah non, c'est la porte. J'allais dire, ils sont gros, les trucs. Bah oui, bah elle est triste. Hein. Mais moi aussi, je suis triste. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Tu partages avant de partir en vacances. Je partage quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai des trucs à mettre en... Oui, j'avais oublié. Bah oui, c'est bon, ça devrait aller. C'est quoi le but du challenge Not So Berry? Eh bien, je t'invite à regarder les petites... règles qui sont ici. En gros, c'est comme un Legacy sur 10 générations, sauf que chaque génération a une couleur dominante avec des objectifs précis, c'est-à-dire qu'on choisit pas. On doit effectuer les objectifs qu'on te donne. Merci beaucoup Marine pour l'abonnement offert à Héruline. Merci beaucoup encore une fois. Tu mérites une fessée. Héruline, tu me dis si je la banne ce cadeau. Tu as droit à un ban. Je vais faire ça maintenant, en fait. C'est les deux, là. Entre King of Pom et Marine, dès que vous offrez un sub, je demande aux personnes subées si je vous banne. Ça peut être sympa, tiens. Parce que... Ah, ça dépendra d'eux. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Ismaël. Alors, du coup, oui, donc, on a des objectifs précis avec cette génération, comme tu peux voir, avec leurs magnifiques cheveux d'un vert gazon. Nous sommes à la génération verte et nous avons des objectifs précis comme réussir l'aspiration génie de l'informatique, aller jusqu'au niveau 10 de la
de la carrière gourou des technologies et avoir des oh punaise ah, des ah compétences au maximum parce que c'est tout le monde a les mêmes objectifs en fait. Et là on est à la génération 9 parce que ça devrait on devrait finir rapidement. Disons que la génération verte va donner naissance à la génération bleue qui sera la dernière génération du Nozoberry. Et d'ailleurs, faut qu'on mette les portraits de nos ancêtres. Ah, on peut peut-être les mettre là. On va pouvoir peut-être les mettre là. Comme tu peux voir ici, j'ai des portraits. Il n'y aura peut-être pas assez de place. Je vais voir ça. C'est tous ceux qui ont précédé notre petite pomme. Ouh, ouais. Ah, déjà, je peux pas. Tac. Tac. Ouais, bon, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Ça passait par-dessus la fenêtre, mais... Nous avons donc la première génération, qui est la génération menthe, avec Pepper, puis son fils, la génération rouge, qui est Bordax, Bordeaux, hein, pour les intimes, son fils Pulco, de la génération jaune, Nuage, de la génération grise, Lila, de la génération prune, on va dire violette-prune, Copper, de la génération orange, puis on retourne ici à Chamallow de la génération rose, et enfin Toya de la génération pêche qui était son papa et qui vient de mourir. Donc elle est l'actuelle héritière parce que c'est le jeu qui a décidé que c'était elle qui gagnerait. Voilà pour le résumé du Nozoberry. Entre guillemets quoi. Bah non, c'est la troisième qui m'offre un abo, on bannera la dixième personne si tu veux, comme tu veux. Et avec plaisir, Marie Grenouille. Ah non, mais Marie, le mois dernier, ils ont été complètement tarés. Hein. Tu te sens que, je sais pas, c'était le mois d'août, et ils se sont dit, on part pas en vacances, on a trop d'argent, c'est Charlie qui va récupérer. Je ne compte plus le nombre de trains de hype qu'on s'est bouffé. J'aurais dû. Si j'avais su, j'aurais dû les compter. Mais... c'était n'importe quoi. Donc je me dis septembre, ils vont peut-être avoir la tête sur les épaules, tu vois. Je pense que je fais qu'à la rouge jaune. J'ai du taf encore. Ah ouais, mais tu sais, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Hein. Ça fait 2 ans, hein. Ça fait depuis l'été 2019 qu'on a commencé. Je sais plus exactement ce temps. Juillet, août. Ouais, je sais plus exactement. Tu nous as enlevé le train nul. Quoi? Bah, il était pourri ce train. Il est encore là, hein. Il existe. Hein. Il est là. Chouchou. Ouais, mais je vous le montre plus parce qu'il est moche. Salut Carita, comment vas-tu? Comment ça, le jeu qui décide qu'elle soit héritière? Alors, parce qu'en fait, depuis le tout début de ce challenge... en fait, Pepper était donc la fondatrice, si tu veux. Donc, on n'avait pas à choisir. Enfin, elle était toute seule. Par contre, elle a eu 2 enfants, Coquelicot et Bordeaux. Et on se posait la question de comment on allait élire les héritiers. Depuis le début sur ma chaîne, je fais voter mes abonnés. Et c'est eux qui choisissent. Donc, forcément, il y a toujours des déçus parce que... voilà. Mais c'est toujours des votes. Et en fait, pendant que les enfants rouges étaient enfants... ils se sont commencé à se prendre la tête et tout, à s'énerver, et je me suis dit, tiens, ils vont se battre à un moment donné, et ça va pas être possible. Et en fait, ça a germé une idée, j'ai fait, bah attendez, on peut exactement faire ça, c'est-à-dire qu'on va les faire se détester, on va les faire se battre, et par exemple sur 3 matchs, parce que comme ça c'est impair, et celui qui en gagne 2 sur les 3 sera l'héritier. Et le chat a dit, mais de ouf, c'est trop marrant, on fait ça. Et depuis la première génération qui a fait ça, on essaye de faire une compétition entre les enfants qu'on a eus pour l'héritier. C'est-à-dire que c'est pas nous qui choisissons. C'est le hasard, c'est le jeu en fait. Et alors on a fait des compétitions de peinture, compétitions d'échecs, compétitions de sport. On essaie qu'il y ait un rapport avec chaque fois la génération pour laquelle ils concourent pour désigner un vainqueur. Alors bien sûr, il faut que ce soit des trucs qui sont accessibles dans le jeu, où il peut y avoir un moodlet qui dit qu'il a gagné, par exemple, parce que comme ça, ça aide. Mais on essaye. Bon, j'avoue que Pomme, je voulais beaucoup qu'elle gagne,
Et on a quand même fait, et elle a quand même gagné, honnêtement. Donc, parce que je voulais absolument que ce soit une fille pour la génération verte et pour la génération bleue, puisque, si vous avez été attentif, on a déjà eu 5 garçons héritiers. Et je voudrais que ce soit 5 et 5, en fait. Donc je voudrais qu'on finisse avec 2 filles. Parce que là, on a eu déjà 5 mecs. Oh, je suis quand même contente que ce soit Pom Pom qui ait gagné. Voilà. Le nouveau train est génial. Merci, Ruline. On le verra moins, le train de la hype a augmenté pour plus qu'il se lance comme ça. Je suis déception. Oui, mais vous savez pas encore à combien. Je l'ai augmenté un petit peu. Mais si vous pouvez très bien le voir. J'ai pas mis non plus à 15 événements, hein, faut pas déconner. Hein. Bonne idée. Ouais, bah écoute, on essaye de se faire... de changer un petit peu, du coup, là, il y a personne qui peut être... Enfin, on peut être déçu, mais c'est pas la même déception. C'est ça qui est bien. C'est que comme ça, au moins, on peut en vouloir qu'au jeu, en fait, au hasard, ou aux Sims directement. Je me dis, bon, bah franchement, t'abuses, quoi. Alors, c'est vrai que pour ses compétences, j'ai oublié d'ajouter un bar dans la maison. Ordi et jeu, bon, ben, bah, ça, c'est cool. C'est fait. On est quoi, vendredi? Eh, mais ça veut dire qu'elle bosse pas? Oh, mais on va pouvoir faire tranquillement notre choix parmi ces deux mâles. Pardon. Allez, on va s'inscrire au tournoi de débutants. Vas-y, va jouer. Je veux que tu joues un petit peu ce soir. Voilà, fais ta gameuse, là. Parce qu'en plus, elle est belle, notre petite pomme, quand même. Elle est toute belle. Parce qu'en fait, j'ai eu déception quand on a eu le Hulk, parce que... On a eu 2 filles, donc j'étais ravie. Je dis moi qui voulais une fille. Et puis d'un seul coup, lui, il s'est pointé. J'ai fait non, je veux pas faire de compétition. Il va forcément gagner ce saloperie. Style de vie obtenu. Pomme a débloqué le style de vie technophile. C'est merveilleux. Bah, tu veux déjà dormir? Ouais, tu me diras, il est minuit. Ouais, va pleurer avant. Va pleurer. Ça, tu pisseras moins, comme on dit. Enfin, tu viens de pisser, donc... Elle va jouer un petit peu, peut-être pour arriver au niveau d'au-dessus, et puis après elle ira faire dodo. Salut Kiki Sims, comment vas-tu? Je me souviens de la compète de foot. Mais c'était compète de sport, hein. Il y avait 3... On avait fait le tapis, on avait fait l'escalade, et en dernier le dribble de ballon. On avait été déçus, hein. On voulait que ce soit Mini qui gagne, et elle a pas gagné. C'est Nuage qui a gagné à la place. Bon, Nuage, elle était pas... C'était pas la dernière des moches non plus, donc bon. Ma pomme, elle a été désignée par l'entité supérieure, c'est ça. On était tous dessus pour Mini, voilà, c'est ça. Eh oui, mais bon, Nuage, ça va, elle a fait... à part Prune, elle avait fait 2 belles filles après. Ce Prune a été trop moche. Bon, elle a pas gagné, elle a pas été... En plus, elle a perdu au jeu, non mais n'importe quoi. Comme ça, au moins, ils dorment. Moi, pendant ce temps-là, j'enregistre, hein, au cas où il y aurait un bug. Évidemment. Hop. Donc, le Hulk, pareil, il va partir. Hein. Il va partir tranquillement rejoindre sa future femme. Et puis, on fera emménager son futur mec. Comme ça, elle sera plus toute seule. Dans cette petite maison d'Enford. Alors, il y a zéro décoration extérieure. Hein. Parce qu'en vrai, j'ai tellement mis de temps déjà à faire cette maison que... Pourquoi j'étais aussi lente d'ailleurs? Oh, quel bonheur qu'il puisse aller au téléphone. Aux toilettes. Au téléphone. Sans les casser. Ah, Toya, il m'énervait. Elle va piéger les chiottes sans arrêt. Bon, elle va appeler SOS Tristesse. Ah bah non, elle appelle pas SOS Tristesse. Aucune attache, style de vie célibataire. Bah ouais, mais ça va pas durer ma cocotte, hein, je te le dis moi. Ah, tu vas carburer. Dès que le chat aura choisi ton amoureux, génération bleue. Génération bleue. Faudra penser au prénom et tout, mais on n'y est pas encore. Hein. Pensez au prénom de, en rapport avec le bleu, évidemment. Salut Lali Gaga, comment vas-tu? Twitch a bugué. Ah merde. C'est possible, hein, ça merde souvent. Hein.
Elle est contente. Ah, je suis toute seule. Elle est comme moi. Ah, j'ai pas de mec. Je suis trop contente. Alors, tu vas appeler Christian. Et tu vas appeler Raoul. Ah, Raoul, il peut pas venir. Ah, mais oui, mais il est dans le coin, je suis con. Il est là, Raoul. Regardez-moi ça. Voilà. On connaît Raoul. Hein. Il est mignon. Il est beau gosse. T'en es où, ton âge? 5 sur... Ouais, 5 sur 24, c'est nickel. Et en plus, il a pas de copine. Voilà, tu peux pas... faire venir. Oh, c'est trop nul. Faudrait qu'il vienne. Vas-y, envoie-lui un texto de bonheur, là. On va aller voir s'il reçoit son texto. Alors, Christian, si c'est lui que vous choisissez, il s'appellera pas Christian, on changera son prénom. On pourra mettre un autre prénom, je ne sais pas, on verra. Vous me ferez des propositions. Salut, ma Mioda, comment vas-tu? Il a une tronche chelou, là. Oh, regarde, il est mignon. Franchement, c'est le plus beau mec que les Sims ont pu nous proposer. Oh, le bâtard! Bon, bah, appelle-le. Voilà, il va venir directement. Il est là! Il est là! La 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 la. Et je crois qu'il était tout jeune, hein. Ouais, c'est-à-dire que si vous choisissez lui, c'est pas grave, on va le faire... bon, c'est un adolescent, c'est pour ça qu'il tire la gueule. On le fera grandir un petit peu. Je vais vous montrer après, parce que je vais un petit peu... tout petit peu refait sa tête. Je vais juste... Elle va essayer de lui remonter le moral. Discuter de la tristesse. Oh, essayer de réconforter. El Pitito, Cristiano. Raoul, mon ami, dans une autre partie, tu m'as trop manqué. Ah, Raoul, il est bien. Salut Julie, comment tu vas? Très bien, mais mangé par les moustiques. Aïe, aïe, aïe! T'as des moustiques encore? Enfin, tu me diras, ici, il fait pas hyper beau, donc... T'as pas de raison d'être malheureux. Nous, on a notre père et notre belle-mère qui sont claqués l'un après l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, il est inspiré maintenant. Allez, exprime ton admiration. Ah. Voilà. Et puis lui s'installe, hein, tranquille. Hein. Tranquille. Tranquille, il s'est dit... Moi, on m'invite, il y a un jeu vidéo, je joue. Enfin, il y a un jeu vidéo, quoi. Pourquoi pas framboise? Pomme framboise, c'est ma compote préférée. C'est un peu bizarre, framboise pour un garçon. Dans ce cas-là, framboisier, comme dans les musclés. Je vais vous montrer de plus près, n'inquiétez pas. Oh, base Buna. Base Buna. Tu. Ah, il aime pas la déco. Mais quel connard. Ouais, je te fous moi des dans la gueule, tu vas voir. Espèce de malveillant, va. Ah, c'est pour ça il est malveillant. On trouve toujours une explication. Salut Vicky, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien, moi. Le temps de la sortie du chiot, on longe un petit ruisseau et je suis attaquée à chaque fois. Ah merde! Ah, ça pue, ça. Je sais ce que Ambroise est un vrai. Sinon, on l'appelle Raoul comme ça, les déçus de Raoul Laurent, quand même Raoul Kappa. Eh, j'avoue, Marie. Oui, Ambroise, je connais. D'accord, je comprends. Ambroise. Ah, cool! Ah! Passons aux choses sérieuses. Bon, là, il louche un petit peu. Mais regardez! Puis il a le sourire, il a plus. Enfin, quoi qu'il l'ait encore un peu, hein. Bah.
Alors j'ai pas enregistré quand je l'ai retouché. Non mais normalement je l'ai retouché. Promis, juré, craché. Pardon. Quelle tête de con vous préférez? Oh mon dieu! Je viens de passer 20 minutes à me battre avec Instagram parce qu'on a piraté mon compte. Aïe aïe aïe, merde! Moi aussi on me l'avait fait, on me l'avait piraté une fois. Je l'ai pas récupéré. Les musclés, j'adore cette série. La croisière folle amour, j'adorais la série. Moi j'ai pas regardé ça depuis hier, hein, bon. Il est un peu stupide, appelle-le banane. Pourquoi? Christian a les yeux bleus, c'est dans le thème. Tout à fait. La tête des mecs. Mais Charlie, je veux Christian, alors on essaie de le mettre en valeur pour que le chat vote pour lui. Ah mais de toute façon le plus beau il est arrivé, donc on peut que voter pour Martialou maintenant. Comment il va mon beau Martialou? Comment vas-tu? Merci beaucoup Ninja pour ton host. Comment vas-tu? Oh là, ah voilà, là elle est mise en valeur. Regardez-moi ce sourire ravageur. Quelqu'un n'avait pas aimé sa bouche et j'ai retouché sa bouche. Voilà. Voilà, il y a une main. Bon, Raoul, vous l'avez déjà vu de toute façon. Donc, on va partir sur le sondage officiel. C'est maintenant, c'est tout de suite. Gérer sondage. Réfléchissez bien, prenez le temps, si c'est nécessaire, pour voter. Puisque cela dépendra de notre dernière génération du Notsomeri. Choisissez dur, choisissez mou, mais choisissez dans le trou. Quel homme pour Pomme? Est-ce qu'on choisit Raoul? Ouais, est-ce qu'on choisit Cri-Cri? Oh, je vais mettre Cri-Cri. Cri-Cri d'amour. Après, Pomme d'amour, Cri-Cri d'amour. Ben, Raoul... Attendez, je vais faire des blagues. Je vais mettre Cri-Cri d'amour et Raoul... Raoul Tamboule. Pourquoi pas. Et je vais mettre 10 minutes. Donc, vous aurez le choix. Le temps. N'hésitez pas. Soufflez un petit coup avant de voter. Lisez bien ce que vous votez, hein, parce que hier, il y a eu des... Ah, j'ai été trop vite, j'ai pas bien lu. C'est parti. N'hésitez pas à refresh si vous ne le voyez pas, le sondage apparaître, je suis où c'est là. En tout cas, c'est maintenant, vous avez 10 minutes pour choisir Agitam Eternam, quel sera l'amoureux de Pom Pom. Dans le trou. Le roux s'appelle comment? Il s'appelle Christian. Raoul, le livreur de courses. Christian, l'adolescent. Raoul est adore la nature et actif. Christian est initié et froid. C'est un peu chiant ça. Elle va discuter avec les deux et puis comme ça tranquillement faire son choix. Moi je parle rarement à des gens quand je tourne le dos comme ça. Mais... Tu te tournes un minimum quand t'es poli. Quand même. Indemniser avant de voter, n'est-ce pas pleurniche? Ah, moi j'ai visé personne. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Il y a déjà eu des votes? Est-ce que ça vote? Faire connaissance, faisons connaissance tous ensemble. Touchons-nous le gland également. N'hésitez pas. Bon, là, il y a soit ma gueule, soit le chat. C'est pour ça que je me mets un peu en décalé, comme ça vous voyez un peu mieux les bouilles. Voilà, là, c'est comme ça que vous voyez bien. Je veux 80 votes à Léopold. Coucou! Salut, Veille Mystique, comment vas-tu? Tu peux voter entre ces deux jeunes hommes. Regarde, on est en train de voter pour savoir quel homme fécondera notre petite pomme. Dans quel sera le vermisseau dans la pomme. Bah non, je voulais sortir un truc plus un peu mieux sorti que ça, mais c'est pas grave.
Parce que le verre est dans la pomme, alors lequel des deux va y mettre son vermisseau? T'as pas un mec blanc, blond, aux yeux bleus? Bah écoute, non, on n'a pas trouvé, hein. On fait ce qu'on pouvait. Hein. Si on croise pas, je vais pas forcer le destin. C'est serré, bah écoute. Allez, cri-cri. Linette, elle est à fond. Hein. Oh, j'aurais dû mettre les beats. Non, je rigole. J'ai pas envie de mettre des votes payants. Vous avez l'air sympathique. Mais bien sûr qu'elle est sympathique. Elle est archi sympathique. Quelle est ta carrière, mon petit? Bon, on sait que t'es adolescent, mais au cas où, tu veux faire quoi dans la vie? Le Hulk a découvert la mention sur bouteille de lait. Œuf. D'accord. Raoul, il a offert un cadeau. Raoul, on a remarqué, on a compris ce que tu faisais là. T'essayes de corrompre le frère de Pomme pour avoir des votes. On a tout compris. J'aime bien Raoul, moi. T'as vu Shirley? J'ai commenté un let's play. Oui, j'ai vu, ça fait plaisir, merci beaucoup. Attends, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout lu. Merci beaucoup, Fox Killer, pour ton follow. Bienvenue à toi. Allez, cri-cri d'amour, Raoul. Allez, cri-cri. On peut les voir torse nu. On peut les voir torse poil, évidemment. Je vais donc, grâce au MCC, et avec la commande commode. Allez, rouquin. Changer la tenue, maillot de bain. Voilà. Et ça, ils vont avoir un peu froid, je crois. J'espère qu'on les tuera pas, parce que ça va être chiant. Changer la tenue. Bon, il y en a un qui est un peu plus... hein, que l'autre. Hein? Oh. Mais personne n'a d'abdos. Donc, bah, Raoul rend un peu mieux, parce qu'il a la peau bronzée de base, donc forcément... le rouquin, bon, ben lui... il est rouquin, quoi. C'est les mecs qui se retrouvent à Walt sur le canapé, c'est genre hyper normal. Salut la drôlesse, comment vas-tu? Tu as avancé de ouf depuis hier soir, j'ai loupé tellement de choses. Mais c'est pas le même let's play, mais mystique. Là on est sur le note Sauberry, c'est pas la même chose qu'hier. Salut Kitty, comment vas-tu? Pas tant que ça, purée, j'adore, donc je sors. On peut prendre Logan, mais il est pas là, Logan. Tu nous les mets à point. Bah, comme ça, on m'a demandé de les voir en petite tenue, torse-poil. Je m'exécute, hein. Sinon, il y a lui aussi, hein, qu'on peut mettre torse-poil, hein, mais... Là, il est tristesse. Hein. Ah, qui c'est qui... Eh, c'est Opal. J'ai oublié qu'il y en avait une autre. Bon, alors lui, il s'en va, du coup, hein. Cri-cri d'amour s'en va. Ouais, une dernière visu sur sa petite bouille, hein. Et son petit profil. Oh, il est chou, hein. Je suis contente, on est tombé dessus par hasard. En vrai, il est mignon, quoi. Voilà. Voilà la bête. On voit même ses orteils. Oh là là, la définition des orteils, hein. Franchement, c'est moche, hein. Mais les lapins, ils sont mieux faits, hein. Aïe aïe aïe, la drôlesse, tu as mis trop de caps. Tu as écrit en majuscule. Si tu le fais venir, Logan, bah non. Oh bah non. Salut, sœur. Je sais plus combien elle a d'enfants, notre sœur. Oh, Raoul, tu fous quoi là? T'en as un? Ah oui, c'est vrai, je pouvais pas parce que je l'ai pas mariée. Et je pouvais pas lui refaire faire un gosse. Attendez. Moi non, on triche pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on triche pas. On améliore la réalité. C'est différent. Parce qu'elle est en couple, mais comme je les ai pas mariés, bah c'est pas automatiquement avec lui qu'elle va faire un gosse. Et on nous propose du coup tout un panel. Oula, il y en a qui font peur hein, quand même. Oh la vache, avec la crête et tout. Ouais, il y a un peu tout à boire et à manger là-dedans, hein. Après, pareil, on est à une génération neuve, donc c'est des brassages de foyers entre les foyers. Ouh, la belle moustache! Mais oui, c'est vrai que c'est notre homme de ménage, oui.
Et ben, il n'y a pas son mec. Donc, voilà. Ben, on peut pas. Non, 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 c'est bon. On va pas la mettre enceinte. Bon, ben, Raoul, à la prochaine, peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment il la mate? Il dit, je crois qu'il est en train de mater ses seins, là, on est d'accord ou pas? Ouais, oui, 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 il est en train de mater les nichons, là. Hein? T'es content? Regarde les petits sourires, genre, c'est pas mal. Je pourrais m'en satisfaire. Encore 5 minutes pour voter. Ouais, il y a encore quelques minutes, n'hésitez pas. J'aurais eu le même son nom et suggestion à l'amour avant. Cri d'amour. Oui, mais t'as un cri-cri d'amour, hein. Faites attention. Non, la couleur complémentaire du vert, c'est le orange, cri-cri et roux. Alors c'est parfait chromatiquement parlant. Irina regarde lubrique. De toute façon, il faut qu'elle... qu'elle bosse aussi, hein, parce qu'on sait le week-end, donc elle va continuer à bosser. Hein. Et toi, tu vas appeler ta meuf. Parce qu'il faut qu'on le case. Je te dis un pervers celui-là, les cri-cri. C'est un pervers, Raoul le pervers. Il a trop de testostérone dans son corps, c'est pour ça qu'il faut qu'il évacue. Je vais vous faire un poème, mais les espaces sont pas comptés les boules. Oh, biche. Râle de suggestion d'amour à toi, Raoul, pour toujours. Oh, Raoul, où vas-tu, beau garçon? Que le cri à l'unisson, love de toi, Raoul. Ah oui, j'allais dire, c'est qui? J'ai oublié que je l'avais invité. Ah, t'es de meilleure humeur que la dernière fois ou tu veux faire chier ton monde? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, elle a l'air d'être super humeur elle aussi. Hein. Bah, elle est pas très belle, mon son. On s'en fout de la couleur de cheveux, les enfants finiront bleus. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais bon. Mais je suis illustratrice, ce qui fait de moi une maniaque de la couleur. Mais je savais pas que vert et orange, ça... Enfin, j'aurais pas du tout associé ces couleurs-là, en vrai. Genre, mais vraiment pas du tout. En même temps, je ne suis point graphiste non plus. Et ni illustratrice. Oh, c'est la foire de Finch Week, hein. Plus, c'est juste à côté de chez nous. Oh, les matérialistes. Pourquoi ça m'étonne pas? Comme par hasard, elle s'intéresse à nous alors qu'on est riche. Oh, Toya qui l'envoie un message, il est choupi. Oh, ah oui, ça y est, c'était serré. Vous avez choisi Cri-Cri d'amour à 56%. Je suis désolée, il y a toujours des déçus, hein. Il y a toujours des déçus. Du coup, on appelle Cri-Cri Raoul Kappa. Non, on va choisir un autre prénom. Est-ce que Raoul... Bah quoi qu'on peut, on peut toujours garder Cri-Cri d'amour, j'y avais pas pensé, mais comme vous voulez. On l'appelle dans un autre prénom ou pas? En tout cas, bah... On va l'inviter, on va le faire vieillir. Ah ouais, mais lui, il drague. Il faut qu'elle fasse un... On n'a pas un gâteau? On va passer aux choses sérieuses, hein, parce que bon... Non, on n'a pas de gâteau d'anniversaire. Donc il va falloir faire un gâteau d'anniversaire. C'est vrai qu'avec le MCC, je peux le faire. Mais j'ai envie de garder une part de réalisme dans le jeu. On va faire un petit gâtal. Hey, tu dragues, là T'es nul, hein, pour l'instant. Hein. Juste un bébé de Raoul, après on m'a ré-cri-cri. Oh là 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 là. Ouais, Raoul pour moi toute seule, plus tard dans mes rêves. T'es folle. Vous êtes fou avec... Mais non, mais c'est cool. Raoul a eu sa chance.
J'adore rire. On peut l'appeler Mathias. Bah écoute, pourquoi pas. Ah, la pub a été demandée. J'ai 30 secondes de pub à passer, donc je vais vous la passer tout de suite. Et n'hésitez pas dans le chat à dire que vous avez reçu une petite pub, comme ça je saurai que vous êtes très sympa et que grâce à vous, je vais gagner quelques micro-centimes d'euros. Alors que vous n'avez rien fait pour, donc c'est merveilleux. Et donc à tout de suite. Ah oui Samantha, je sais. Je crois qu'il y a quand même CC garde la progression de sa barre, donc vaut mieux le faire vieillir avec le gâteau. Ah, tu penses? Je suis pas sûre. On l'appelle Ambroise. Eh ben écoute, c'est un peu difficile pour moi de le dire, mais Mathias ou Ambroise, encore un prénom? Je sens que c'est très attentif. Minou, minou! Bon, il est où, Cricri, là? Il s'est barré? Mais arrête! Arrête de discuter! T'as appelé Cricri? Non. Bon, par contre, Raoul... en plus, il reste en maillot de bain, genre le mec tranquille, quoi. Oh oui? Oh, bah je suis à poil! Oh, ça va, sinon? Celle que j'ai régulièrement en ce moment prend plus de 30 secondes, je crois. Oh, ça, je peux pas te dire. Mais non, tu peux pas avoir de pub, Beninchina, parce que tu as le sub. Donc, tu peux pas. C'est parti pour le rythme des cours. Bonne nuit. Pas de soucis, Elisa, des bisous. Bon courage à toi. Balthazar et Camomille, nous formerons une famille remplie d'amour sans gluten. Oh là là! Ouh là là, la drôlesse, elle est partie en délire, là. Il a failli vous écrire un message, je me l'ai rattrapé. Bah, c'est pas grave, laisse-le s'exprimer, ce petit chaton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas raconter des ragots. Bon. L'amitié est bien montée. On va pouvoir la redraguer, parce que la dernière fois, elle était chiante. Donc, il va pouvoir la draguer. Bon, il vient ou qu'est-ce que tu fous, là? Appelle-le. Allez, appelle-le, là, c'est... Appelle, je sais plus, Cricri. Cricri? Cricri d'Amur? Cricri d'Amur. Pourquoi son gluten? Théodore. Théodore. C'est quoi, Mathias et Ambroise? Non, qui... Ouais, non, ça passe, hein. Pomme et Mathias, Pomme et Ambroise. Alain. Non, pas Alain. Non, pas là. Salut Quentin, comment vas-tu? T'es jaloux, Martial? C'est quand on a des enfants qui s'appellent Balthazar et Camomille, on mange sans gluten. Ouais, et sans lactose, je dirais même, non? Et vegan. Parce qu'à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Vous êtes des végans. Non, il va plus pouvoir venir! Ah si, il est là! Mais viens! Quand? Oh! Ouais, invite-le à venir cuisiner. Ouais, t'as raison. Invite-le à venir cuisiner. Ça va, mon titi? Vous savez que mon titi, coin-cointe, pour ceux qui n'étaient pas là au début de live, il a coin-cointé sévère aujourd'hui. Hein. C'est un coin-cointeur, hein, il est revenu le coin-cointeur. Hein. J'ai Jamie qui fait le... Comment ça s'appelle? Faut que je le mette sur la table. Qui fait le mouton. Et j'ai Jamie. Et j'ai Tyrion qui fait le canard. C'est manière... J'ai deux chats. Ils font des bruits bizarres. Apidor. C'est quoi Apidor? Agent 21, titi coin coin, 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 agent 21, titi coin coin. Ouais, tranquille la vie, tu sais. Ah, je voudrais juste te dire que t'es beau gosse. Alors bien sûr, j'avais laissé sa petite paire de lunettes parce que ça m'avait plu. Le look qu'il avait avec sa petite paire de lunettes. Donc j'ai kiffé.
j'ai kiffationné un petit peu tout ça, quoi. Allez, viens à la maison que tu vas grandir. On va t'enlever de tes parents. Ils vont plus te reconnaître. Ce soleil incroyable. Attendez. Regardez-moi ça. Ouais, je sais, on le voit pas assez souvent en ce moment, le soleil. Oh mon titi, tu t'es réveillé? T'as entendu ton emoji? Ton emoji? Oh, ma beauté. J'ai les deux qui dorment. Les godas, c'est interdit. Mais je l'ai pas relooké, hein. Je l'ai pas relooké, hein. Enfin, je crois que j'avais enlevé vite... Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai refait rapidement des choses, mais... Je sais plus. C'est bon. Il arrive. Allez, on va le faire vieillir. Plus de choix. Oh, ça marche plus. Allô ? Pourquoi ça marche plus, faire vieillir un sim ? Ouh, ça va pas me plaire, ça, Jean-Claude ! Bon, bah, tu vas vieillir avec le MCC, hein, c'est comme ça. Hein. On est à 10 sur 13, on pourrait attendre 3 jours. Mais on est pressé, nous. Aujourd'hui, on l'a... Voilà, c'est comme ça. Alors, attends. Hop ! C'est notification. Non, c'est commande du Sims. Anniversaire. Chpouing. Oh, oh, il a gagné des pectoraux. You are the pectoraux. Non, il est devenu à zéro. Voilà. Hopsi, il a grandi. Magique. Alerter la police fashion. Oh, si tu regardes que le haut et pas le bas, ça va, hein. Il est bien élevé. Oh, c'est bien ça. Il y a tellement de bugs dans ce jeu. Wayout face, Wayout face, Wayout face. Pourquoi? Pourquoi il y a des bugs dans le jeu? Ajoute le foyer. Ouais, bah on va pas le kidnapper aux parents quand même. Nous on fait ça officiellement. Hein. On dira juste qu'il avait grandi très rapidement. Il était précoce. Parce que bon, la pauvre pomme, hein? Alors déjà les hormones qui partent en vrille à cet âge-là. Hein. Oui. Oula. Ah ben. La famille Bonnet. Bonnet petit. D'accord, ouais. C'est un mélange de bonnet et de petit bonnet. Bienvenue dans la famille. Allez, comme c'est lui qui est froid, on va... C'est lui qui va draguer. C'est mieux. Toi, on s'en fout, tu... Voilà. T'as appelé ta meuf? T'as pas appelé ta meuf. Appelle ta meuf. Pourquoi ce lait est-il si transparent? C'est bien du lait, n'est-ce pas? Allez, fais-lui un gosse maintenant. C'était quoi ce gamin? Qu'est-ce qu'il nous a... Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa vie, en fait? Ah, c'est vrai qu'il y a la foire! Oh! Effectivement. Le lait de feu. Bon, je dis à ma petite vache vache. Mais tu es belle. Oh, j'ai l'impression de me voir dans la glace. Ah bah là, je peux pas manger d'herbe par contre. Sauf qu'on peut pas nous mettre. On peut pas. Bon, il y a. Ah non, il y a quand même deux laits. Et est-ce qu'il y a une deuxième vache? Même pas. Bon, bah, il y a une vache qui concourt. Donc ça peut être que cette vache là qui gagne. Hein. Ah bah. Elle est bien. Bon, bah, Raoul, il est là. Il noie sa peine. Waouh! Regardez cette vache!
Ça pourrait être la gagnante. Attends, s'il y en a qu'une. C'est un peu facile. Elle est là, ta meuf? C'est ça? C'est ça. Ouais, fais la gueule encore. Premier baiser échangé sur une maison d'à côté. Tu peux plus le faire vieillir, moi j'ai perdu tout mon jeu. Ah oui, tu parles de la... du Gatal. Bah ouais, je sais pas pourquoi. On est à Flynn for 22. Direct. Direct. Merci Ticanet, j'avais pas vu ton message. Ah la 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 la, ça y est beau tout ça. En fait, c'est un endroit de spawn. Elle aussi, elle a un problème de, d'arête nasale. Hein. J'ai ça, je l'ai rien. Hein. Oui, Chenemoska, c'est qu'ils sont plus dispo les trucs. Bon bah voilà, c'est sa meuf. J'étais toute seule, mais j'ai quand même fini 3. Sérieux? Mais ce jeu est complètement fou. Moi, Vegem, un bout, bonne soirée. Pas de soucis, sucrement des bisous. La vache toute seule qui finit 3ème, mais la blague, quoi. Non mais... ce jeu est fou dingue hein, quand même. Pareil, attends, toi aussi tu vas Ken. Enfin, je veux dire. Ça pue ? Bah t'as qu'à faire le ménage. C'est que ce mec, là, de toute façon, va te refiler le. C'est la meuf qui passe de. Oh oui, puis il y a un truc où je le déteste. On va te refiler l'aspirateur, tu serviras à quelque chose. Allez. Tu vas essayer de réconforter ta meuf là. Tu le sais pas encore. Mais vous allez copuler, mais alors sévère. Bon, il y en a un qui est en train de faire une attaque de saucisse. Sur sa, cette chère demoiselle dont j'ai oublié le prénom. Ouh là là, il est très enjôleur, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ce... qu'est-ce qu'elle est belle cette pomme, j'en croquerai bien un bout. Ah, Floopy. Alors, c'était bien le Hulk? Oh ben, un petit peu, ouais. Ah, il en peut plus, lui. Libre là-bas. Mais quoi? Bah alors? T'as encore... ouais, tu t'arrêtes de t'énerver, wesh. Je t'ai rien fait, moi, et dégage. Casse-toi. Alors, on a mis un toilette là pour les vieux. Bon, ben, il va servir pour cri-cri d'amour, hein. Le Hulk, il se... hein? Ok, bah non, mais toi, je t'ai dit, tu draguais. Parce qu'il faut que vous dormiez ensemble, en fait. Parce que nous, on n'a pas 40 000 lits pour l'instant. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, j'allais dire, il va aux toilettes. Tu feras un bisou après qu'il soit aux toilettes. Qu'il aille se... secouer l'astico. On dit pas Ken, mais se reproductionner. Ah, pardon. J'ai dit Ken, moi? J'ai pas dit Barbie? T'as pas de famille, arrête de penser à ta famille. Oh, de la drague dans les chiottes. Il y a rien de plus sexy. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. C'est mon petit péché mignon. Mais faire draguer dans les chiottes, ça me... merci Elminstor, c'est sympa. Merci. Je sais que je voulais venir menu à sucre monde, mais j'ai vu ton pseudo après. Wow. On va se saucissonner l'un l'autre. Premier baiser dans les chiottes échangées.
Avec l'odeur de ta sœur qui venait juste de chier. Oh oui, c'est beau. Et dire qu'on a commencé l'épisode avec Toya qui venait de mourir et Jenny qui est morte. Hein. Oublier, c'est du passé. Comment ça? Ah, oh, il vous faut plus de temps pour digérer. Allez, embrasse-le, mets-lui de mon cul. Et puis c'est bon. Toujours pas. Ah, voilà, petit crac-crac. Gros crac-crac. Merci beaucoup Aurélie pour ton follow. Bienvenue à toi. Je sens que c'était étalé sur le clavier, je pouvais plus écrire. Oh, ma pauvre Marie. On est si triste pour toi. Mais pourquoi on n'a pas entendu mon waouh? Si, moi je l'ai entendu. Vous l'avez pas entendu? Attendez. Bah oui, je les connais mes récompenses, c'est moi-même. Attendez. C'est dégueulasse. Moi je l'avais entendu. Bah, moi je l'ai entendu le wow. Ça ne s'oublie pas quand... Ça ne s'oublie pas quand c'est la première... Non, quand c'est le premier doigt. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Une fille s'est fait monter par un garçon qu'on ne connaît, qui te l'a fait connaître toutes les positions. Pour l'amour d'être cochon. Tout-tout-tout. Tout-tout. Je pourrais refaire la musique si vous voulez. On va se faire des soirées improvisation. Hein. Je suis très forte à ça. Bon, je pense que vous devez le savoir que je suis très forte à la... À ce genre d'exercice maintenant. Bon bah voilà, je suis pas toute seule à avoir entendu le waouh. Je pense que je vous ai choqué là, y'a plus personne qui répond. Depuis que j'ai fait ma petite chanson. Un petit imprévu, je repasse tout à l'heure. Pas de soucis Yann. Elle vous a pas plu ma chanson? Ah, merci Ruline, c'est gentil. Quand même. Mais c'est buggé! Ils peuvent pas finir de Ken! De Barbie. Elle va prendre une douche. Elle va passer la spiro. Parce qu'il n'y a que ça à faire une fois que... Bah, ça aussi c'est... Je suis désolée, Janaina, t'as pas passé l'aspirateur. Bah. Un petit coup de bas. Oh, Marie Coquine! J'ai pas entendu. Oh là là! On est habitué. Oh bah, si ça vous saoule, en fait, moi j'arrête, hein. Je dirai plus rien, hein. Je chanterai plus de chansons, hein. Vous avez vu comme ils sont ingrats sur Twitch, YouTube. Envoyez-moi du soutien et likez cette vidéo. Ça me fera du bien. Tu es de où? Parce que pas loin de chez moi, il y a le casting de The Voice. Oula. Non, moi, de base, je suis de Lille, mais maintenant, je suis à Paris. Eh ouais, je suis une parigote, moi. Parigote, tête de linotte. Parigo, tranche de veau. Parisien, tête de chien. Parisienne, folie de chienne. Qui c'est qui est mort? Dahlia Dumont. Dahlia? Dahlia?
Dahlia! Ah, Dahlia! La sœur de... de Toya? Putain, c'est tellement vieux dans ma tête que sur là, je dis, mais on connaît pas Talia Dumont. Dahlia Dumont, pas Talia. Ah oui! D'accord, y a... Dahlia est morte et... ah oui, Melba. Bon, bah... voilà. Quand même, au bout d'un moment, on va se demander, hein. Regardez, l'arbre généalogique d'une autre Sauberi. Oh, oh, oh. Ah, un petit machin qui s'est éloigné un peu de la... Bon, il nous manque pas mal de tombes, hein, donc on peut pas... Voilà. Ouais. On en est là, quoi. Ah, t'as eu quoi, déjà, toi? Alexandre! Oh, il est chouchou, il a l'air mignon comme tout. Avec qui t'as eu ça? Ah oui, avec Jules Fougère, c'est vrai. Ah oui. Bon, bah écoutez, on va enregistrer, hein, en attendant qu'on avance. Ça va être à Nieppe. Tata Dahlia, bah oui, c'est ça. Nieppe, ouais, ouais, mais alors, ça remonte à loin dans ma tête, donc... je sais plus exactement. J'ai dû y aller une fois, peut-être, mais... Pas besoin de lui dire que t'étais ch'ti, ton accent n'a pas disparu. Oh, si. On m'a jamais dit que j'avais d'accent. Si tu l'entends, c'est que je fais exprès de l'avoir. 8h12. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous vous levez si tôt que ça. Ah oh bah tiens, viens jeter. Là. Du coup, notre petit le Hulk va pouvoir partir de la maison. Rejoindre sa copine, puisque maintenant sa sœur n'est plus seule. Armentière, bah oui, je connais bien, enfin je connais bien Armentière. Armentière, je connais, ouais. L'accent, c'est quand tu fais exprès, mais perso, je trouve pas que t'as un accent. On m'a jamais dit que j'avais un accent, sauf quand je disais le mot 20. Parce qu'avant, je disais 20, comme dans le Nord, on dit 20, sauf qu'on se foutait toujours de ma gueule. Donc j'ai arrêté de le dire, et maintenant je dis 20. Et quand j'entends dans ma famille qu'ils disent 20, eh ben je rigole. Je suis devenue une vraie parisienne. Une vraie connasse, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tabernacle. Bon, Janine, tu bosses tes compétences maintenant. Parce que ça va bien 5 minutes! Connasse! Je suis la pire des grosses connasses. Comment je parle à mes sims, c'est pas classe. Je suis vraiment la pire connasse. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. En vrai, je vais vraiment lui donner la Spiro. Hein. Parce qu'en vrai, comme elle sera occupée à faire ses compétences, ben ce sera à lui. Hein. Hé, hey, Jean-Guy, tu vas passer la spi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, tu vas pas... Alors, non. Tu vas virer ça et t'appelles ta meuf. Parce que c'est bon, maintenant, où elle est peut-être déjà en cloque, donc tu dégages le plancher avec ta mocheté. C'est que je le connais bien, cet accent. Ah oui, t'es du Nord aussi? Désolé si je fais plusieurs gens en même temps, mais je suis là, pas de soucis. Mais dans l'Est aussi, 10-20, je sais pas. Il faut l'enfanter aussi. Ah, l'enfantement peut commencer. Est-ce que vous voulez qu'on l'enfante maintenant? Est-ce que vous voulez qu'on galère? Et que l'enfantement commence? Allez, tu vas la reprendre, la retourner, et puis après, déjà, tu vas en faire ta petite amie, quand même. Ça, je vous marierai et puis tu dégages. Dans le sud, on dit bang. Tout à fait. Oh putain, quand. On va dire bang. Ben, ils disent bang, ils disent bien. Ils disent tout ça, tu vois. Ils parlent pas français. Enfantons. Pas de soucis, Samantha, des bisous. Pas de soucis, bonne nuit. Nouche, nouche. Chip, allez, vas-y, fais-lui un gosse. Et après, tu dégages, tabarnak! Tu lui fais un gosse, tu la demandes en mariage. Tu lui mines sa journée, tu refais un gosse.
Alors écoutez, c'est dimanche, il pleut. On a que ça à foutre que de faire des gosses, quoi. Mon Jeannot, là, tu veux faire quoi? T'as pas d'aspirateur à passer? Va pisser et après tu vas aller courir, je pense qu'il faut, il faut que tu... pour te faire des muscles. Parce qu'il y a une partie quand même de l'assistance qui, je pense, est un peu déçue, donc faut que tu te muscles. Si vous voulez, on lui trouvera un taf. Ou alors il s'occupera des enfants, on peut faire ça aussi, hein. Dit chocolat... comment? Non, je connais pas. Oui, on va faire plus simple. Et merci, CNDFV, pour ton follow et bienvenue à toi. Et re, mon soldat. On veut se rincer l'œil, nous. Ah bah oui. Regarde, il a mis un petit short pour que vous admirez ses cuisseaux. T'as le gamin, le mec, il a à peine adulte qu'on va lui faire, on va lui donner, on va lui dire, vas-y, tu te reproduis, tu vas devenir père à 18 ans. Bon, je sais, il y en a qui sont pères avant, mais... un père au foyer, ok. Oui, tablette de chocolat, on est gourmande. Oh, bonne de coquine, de coquine. Parce qu'il n'y a pas que des coquines dans le chat, il y a des coquines. Wow, t'as vu, moi je parlais le sud. Ça va bien. Il y a des coquines. Il y en a peut-être 20. Des coquines. Bon, ils feront ça ce soir, hein, tranquille. Tranquille, Emile, tu vas retourner courir. On veut les pecs. On veut les tablettes. Non, il est chou. Il est chou, je suis sûre qu'il va nous faire des beaux bébés. Hein? Des bébés roux. Oui, je sais, on s'en fout qu'ils soient roux ou pas. Yeah. Pardon, tu vas faire un pipi, tu veux lui refaire un gosse. Tu l'as demandé en mariage? Je suis sûre que non. Ouais, tu vas demander un mariage aussi. Et fais gaffe parce que avec tes chaussures lapin là, on pourrait croire que c'est des lapins de poussière. Qu'est-ce que tu fais là, toi, les mots gothiques là, dégage. Je dirais même. Ta gueule, c'est moche. Il fait pas beau. Faut bien que je mette mes sons. Hein. On parle pas comme ça, on se calme. Comment ça? Oh, elle est malade. Oh, m'énerve aussi celle-là. Donc normalement, prochaine journée de boulot, elle devrait déjà gagner un petit level. C'est bon, toi, t'as... lui, il a rien dans sa vie, quoi. Il est... ah, c'était son père, les mots gothiques. Papa, il est venu, mais je l'ai viré. Puisqu'il avait un look de merde. Donc je l'ai viré. Je suis désolée. Bah voilà, hein, écoute, tu vas pouvoir t'entraîner à faire à bouffer, tiens, si tu deviens homme au foyer. Ravioli chinois légumes, tiens, vas-y, tu vas t'entraîner à faire ça. Pendant que Pom Pom, elle travaille son jeu vidéo. J'avais presque oublié, Ti. Ce serait drôle que de temps en temps, quand la meuf elle saute, le gars il la rattrape pas. Et puis je plaque par terre. Tiens, tu vas lui refaire un gosse. Ah, tu peux plus. Elle est enceinte. Fini, fini. Si, c'est bon, allez, vas-y. Hop! Papa s'est fait déjà. J'ai eu peur. J'avoue que l'annonce, elle est toujours la musique, elle est trop abrupte, je trouve. Et comme c'est exactement le même style de musique pour le mariage que pour la mort, bah, j'avoue que tu peux t'attendre à tout. Hein. Là, ça, c'est pour les petits pervers. Ici, on est beau et bien sapé, sinon, on rentre pas. Ah bon? Pardon.
Bah oui, il a rien à faire de sa vie, lui. Elle va courir encore, mon garçon. A vu un acte choquant. Oh. Allez. Tu vas te marier immédiatement et tu dégages. Toujours la bienveillance, bien sûr, avec mes Sims. Mais c'est pas grave, il est heureux. Regardez, il est heureux. Yeah, oui, bah écoute, il a perdu quelqu'un de la famille, mais... Qu'est-ce que c'est face à l'amour? Rien. Qu'elle l'écrase en lui sautant dessus, ce serait fun aussi. Mais oui! Ce serait marrant, et en fait, ils ont pas fait d'autres animations. L'humour des Sims se perd, là, ça va plus, hein. Papa était moche, alors tu l'attèches. ah oui, pardon. Oh, quelle magnifique cérémonie, t'as raison, le jeu. Incroyable. Hein, avec les chaussures lapin, le pyjama. Magnifique. Par cet anneau, j'escelle ton avenir au mien. Et tu seras obligé de succomber à mes désirs. Parce que je suis un homme. Et que moi, homme... Ouh, moi, homme, tu seras obligé de me supporter. Oh bah dis donc, il a une belle coupe de cheveux, lui. Que je me trompe pas, que j'en vois pas cri-cri d'amour. Bon, on va être transporté dans le nouveau foyer, comme d'habitude. Ça, je déteste ça, mais enfin... Puis vu les mariés, bon vent maintenant, exactement. On va aller voir où il vit, puis c'est bon, quoi. Ils étaient quatre hommages avec les reflets du miroir. Ah bah écoute, c'était un quadruple. Parce qu'un trouple, donc un quadruple... Un couple à quatre. Je sais pas comment ça s'appelle. Quadruple? Non, il doit y avoir un autre terme. Comment Jamie dort? Ah putain! Il y a les tombes qui sont revenues. D'outre-tombe. Ils habitent dans notre ancien quartier. Ça, c'était notre maison. C'était la maison de Toya. D'accord, bah écoutez, bon, ça m'étonne pas, il a grandi là, il va faire sa vie là. Et regardez, je vous confirme qu'elle est enceinte, parce que... Bébé! Allez, c'est parti. Je sauvegarde et on retourne dans notre foyer. Si le jeu le veut bien, évidemment, de me supporter. Une partouze. Tu pourrais leur donner l'argent. Bah ils ont déjà de la thune, wesh. Ça va. Ça s'appelle pas un bordel. Ça s'appelle une orgie. Ah bah écoutez, je vois qu'il y a des connaisseurs dans le chat. Hein. Un grand bien vous fasse, amusez-vous. Un mon titoun. Regardez mon chaton. Coucou Titi. Beau gosse. Attends. Coucou Titoun. T'es beau. Oh, regardez comme il est beau, mon chat. Mon fils. Il en a rien à foutre de ce que je peux lui dire ou faire. Comme Titi, il est team, il aime pas venir... voilà. Quoi, friendzone? Non. Commence à discuter. Mais ça, j'avais dit qu'il y avait que elle, paramètre de sécurité. Normalement, il n'y a que elle hein, qui a le droit. Paramètre de sécurité de l'ordinateur débloqué. Bah oui, donc... débloqué pour un signe spécifique. Non, bah non. Bah, de où il allait par défaut? Non mais oh! On remet. Pomme d'amour. Ah, mais il casse les couilles! C'est quoi ces goûts de merde que t'as, là, wesh? Non, mais c'est quoi, ça, ces gens-là qui critiquent, là? N'aime pas la décoration Cosmolux. Qu'est-ce que c'est, Cosmolux? N'aime pas le violet. Comment? On va pas être potes, là. Aime le blues. N'aime pas les jeux vidéo. Bon, Raoul, finalement, Raoul, rien n'est finalisé. Tu peux venir, s'il te plaît. Raoul, t'es où? Raoul,
Viens, ramène ton boule. Au secours. Raoul. Où es-tu? Oh. Oh. Oh là là. Planquez-vous. Planquez-vous. Je sais pas où elle va, mais j'ai pas envie d'être sur son chemin. Pour une fois que Jamie l'embête pas, oui, il dit en train de roupiller comme un gros porc. Non, non, mais alors par contre, ça va pas le faire, tu... Non, allez, je vais enlever ses goûts de merde parce que c'est pas possible. Et on l'a élu, n'aime pas le violet, mais oui, c'est ça, mais quoi, c'est quoi ce mec, exactement? Eh ben, on va enlever tout ça, hein. Il va adorer le violet. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Décoration, Cosmolux, je sais même pas ce que c'est, Cosmolux. Je te le mets dans le cul, moi, ton Cosmolux. Et jeux vidéo, il va forcément aimer parce que sa femme, elle va en faire. Donc, musique, et ben tiens, t'aimeras pas le blues. Ça te rend les pieds. Les morceaux étranges. Voilà, voilà. Ah, bah attends. On va en profiter peut-être pour le relooker rapidement. Vous voyez la bête? C'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien que ces petites lunettes, je le trouve sexy. Alors. Petite beubare là, comme ça. Ouais. Ça fait homme. Oh, oh, je suis un homme. C'est comme ça que je vous vois, les hommes. C'est pas comme ça que vous vous exprimez? On va enlever les chaussures. Comme eux-mêmes. Comme eux-mêmes, n'est-ce pas? Seuls les plus grands streamers disent comme eux-mêmes. Parce que sinon... Tu peux pas et bien parler et bien streamer. La la la. Bon bah Raoul, c'est à toi, Cricri, il est nul. Voilà la folle du sac. Ah, je croyais que c'était à s'appeler la dentelle, moi. Tiens, on va te mettre du verre. Oh là, c'est... Oh, c'est pompe. Oh, les pompes. Les peupons. Ouais, nickel. Ça va bien avec le haut, en plus. J'avais relooké son costume de mariage. Au cas où. Je suis contente. Je suis contente, ça lui va plutôt pas mal. Tiens, on va te mettre vert bleu. Ah bah oui, parce que génération bleue. Hé, hey, pas folle la guêpe. Non, en bleu ça marche. En basket, super chouette. La riflette, nickel. Tu es parfait. Bon, on va t'enlever le haut, hein. On va vérifier comment tu travailles tout ça, hein. Et en bas, on va te mettre un petit slip à cœur, là. Oui, c'est bien ça. Un petit peu de taf. Vous avez drôle de façon de vous habiller pour aller en soirée, les Sims, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais jamais vu. Ouais, j'imagine que c'est un truc débloqué, mais... Ouais, ben on aurait pu s'abstenir de le voir aussi, j'ai envie de dire. Allez, c'est pas mal ça. Un petit jean. Jean déchiré. Celui-là avec le revers. Ouais, c'est pas mal. Et des pompes, on va remettre des baskets. Celle-là, j'aime bien. Je fais toujours un peu les mêmes. Ouais, comme ça, allez hop. Oh, on va pas trop passer de temps, c'est juste histoire de... Salut Kevin! Avec ça comme barbe, homme, petit joueur. Oh! C'est parce que toi, tu es un très gros velu du menton que... Mais il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant fort, comme un homme. Laisse-lui le temps d'avoir les... Tiens, on va lui mettre du violet. D'avoir les poils qui poussent, alors, bichette. Ça fait 5 minutes qu'il est adulte, là. C'est...
Bon, bah, les pompes, ça va. Ah, c'était ça ta tenue d'hiver. Oh. Tiens, regarde, t'as un truc vert exprès. Tu es magnifique. Voilà, puis on va faire rapidement. Les pompes vertes pour aller avec le haut. Voilà, pour la génération verte. Bah j'en profite, on change son prénom. Les chaussures, mais c'est bon ces chaussures. Non. Le petit slip cœur, mais oui. Bonsoir, comment va notre agent préféré? Salut, père la papaye. Bah écoute, ça va, ça va, on avance. Très campagne ce tweet moche. Et pourtant, c'est à la fac. La moto cucu. Cucu le scooter. Ah oui, pardon. Dehors, j'ai oublié. Kevin le kéké. Bah bien sûr, c'est pour ça que ça s'appelle Kevin. Alors, tout à l'heure, on était sur deux prénoms. Bah, vous allez choisir entre Mathias. Alors, si j'arrive à l'écrire correctement. Ce Madgias, c'est pas trop bien. Ambroise. Ou alors, on reste avec cri cri d'amour. Parce qu'il y en a peut-être qui veulent... Putain, ben je vais mettre que cri-cri d'amour parce que c'est trop long. Casser les couilles aussi. Alors on va peut-être pas mettre 10 minutes, on va mettre 1 minute. Vous avez 1 minute pour voter dans le chat. N'hésitez pas à refresh et ne vous noyez pas. Le sondage apparaît dans l'espace chat. Non, pas Alain. Suffit. Merci beaucoup Mitsua pour ton follow. Bienvenue à toi. Balthazar. Ouh là là, Balthazar. C'est pas mal Balthazar en vrai. En tout cas, vous pouvez voter dès maintenant pour son nouveau prénom. Ou on peut garder Christian pour faire la blague de Cricri d'amour. Parce que Cricri et pomme d'amour, bah voilà quoi. Pourquoi pas. Quoi, pff. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que je veux pas Alain. Mais c'est toi qui as proposé Mathias. J'ai gardé Mathias. Eh ben tiens, eh ben, si c'est Mathias qui est choisi, ben, je choisirai Ambroise. Et coucou Mitsua, comment vas-tu? Tu peux également voter pour choisir le nouveau prénom de ce jeune homme qui s'appelle Christian. Donc c'est pas très 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 fun. Ah bah d'accord. Bon, et bien écoutez, on a une égalité parfaite entre Mathias et Cricri d'amour. Et bien nous allons refaire un autre sondage. C'est-à-dire que ceux qui ont voté Ambroise devront donc prendre un autre choix. On a dit quoi, Mathias et Cricri d'amour? Eh ben, comme ça... Comme quoi, le Cricri d'amour, vous aimez bien. Et c'est reparti pour 1 minute de vote. N'hésitez pas. Vous aurez un petit chèque. Désolé, pleurnicheur, c'est trop tard. Il y a comme dans Baltringue et Hasard. Oh là là, Baltringue du hasard. C'est pas mal, j'aime bien. Comme ça. C'est maintenant qu'on choisit son petit prénom. Oh, il est pas mal, hein. Ah, tu peux te beba, hein. Ah, paf. Et là, Martial, t'as quelque chose à dire? Regarde la grosse beubarde délavée parce qu'il a bu trop de bière. La bonne beubarde de hipster. Ah, ça fait bûcheron. Bûcheron mal léché. Allez, il reste quelques secondes. Oh, on va commencer bien. Et c'est donc Mathias qui gagne à 52%. C'était serré du cul, comme on dit. Donc il s'appellera maintenant Mathias. Bande de mauvais viewers. Et voilà, c'est adjugé, vendu, il a été renommé. Cricri n'existe plus. Grave le bûcheron. Vous êtes des beaux viewers. Aïe aïe aïe. À une voix près. Aïe 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 aïe. C'est adjugé. Mathias Brockman. C'est. Oh oui! Oh là là, dans sa tenue de sport, il fait beauf comme ça. Il est pas content.
C'est quoi ces fringues de merde là? En plus, j'aimais pas le violet, maintenant j'aime bien. J'aimais pas les jeux vidéo, maintenant j'aime bien. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ouais, il est beau quand même. Qu'est-ce qu'il a? Eh non, eh mec! C'est immonde d'enlever ça tout de suite, Mathias décèle le style décoration Cosmolux. Ah non, non, je te l'ai changé, Jean-Claude. C'est pas vrai, je te l'ai changé, même si je sais toujours pas ce que c'est Cosmolux. Son père, c'est un l'écolo, c'est le descendant de mon Sims. Oui, tout à fait, Marie. On m'a encore offert un sub dans une chaîne que je connais même pas. Bah écoute, moi quand je reçois un sub dans une chaîne, on me traite de salope. Bref. Il restera toujours Cricri, ça a bien ce prénom pour son côté beauf. Oh, mais ça, Mathias, c'est pas beauf en vrai. Tu es le nouveau mouton noir. J'avoue, pleurnicheur. Petit mouton noir du live. Bon, il se fait quelle heure? Ah, 17h. Putain, il fait nuit chez la campagne, là. Attendez, ils ont pris deux plats? Il y a un problème. Il y avait un plat de 8. Pourquoi il n'y a plus à bouffer? C'est moi qui l'ai mis dans le frigo. Vous allez me dire ça. Parce que comme je suis un peu bête, et ben, je m'en suis pas rendu compte. J'ai tellement été rapide dans mon clic-clic que je n'ai pas fait attention. Mathias, non, mais Christian. Ah oui, mais Christian, ça fait un peu vieux, en fait. C'est pour ça. C'est un prénom qui n'est pas très actuel, quoi. Voilà, ils sont contents. Alors, elle en est où de ses compétences, la Jeannette, là? Jeux vidéo... Regardez cette égalité parfaite entre jeux vidéo, mixologie et programmation. C'est incroyable. Enfin, quasiment. On est à 32, 31 et 25. C'est même pas voulu fait exprès. Bah écoute, tu vas jouer aux jeux vidéo parce que tu as Sims Cluff là, c'est bien. Lui, il va faire la vaisselle. Bon, c'est hideux. Je t'en fous moi du hideux, tu vas voir. Non mais où? Tu crois où là? Tu oses critiquer mes goûts, tu vas voir. Tu sais ce que je faisais à des Sims comme toi qui aimaient pas mes goûts quand je retapais leur maison dans décoration d'intérieur? Tu sais ce que je leur faisais? C'est parce que j'ai besoin de ton sperme, c'est pour ça que je te tue pas tout de suite. J'ai trouvé le mot nom. Oui, oui, t'as vu ça, Martial? Bravo. Vide un petit coin-coin. C'est Titi, ça? Hein, Titi? Tu fais coin-coin, hein, Titi? Non, il dort, là. Il est reparti dormir, sans foiré. Allez, niveau 2 de... Oh là là, la classe quand il fait du sport. Qu'il est beau. Qu'il est beau en bleu-vert-blanc. Qu'il est beau, le Mathias. Elle est pomme, elle passe à la casserole, nous fait une petite compote. Tout à l'heure. Oh! Ah bah! Ah bah dis donc! Mais qui donne ça? Allez, il y a seulement les bonnes réponses sont accueillies dans ce chat, sinon tant pis. Bah t'es pas encore dit... Oui, t'es pas venu dire bonjour, toi. Hein, le relou. C'est sa chatte qui va finir en confiote. Oh là là, Martial. Quelle violence. Mathias Leroux au secours à la scricri Boffman. Non mais ce jeu est pété du cul, hein. T'as dit bonjour, viewer? T'as dit bonjour aux abonnés? Non, non, c'est maman, je te grimpe à moitié dessus, je t'enlève le casque. C'est qui le petit loup qui a reçu une lettre des impôts avec une somme astronomique et qui attend désespérant des papiers? Oh putain. Eh, salut King of Pommes! J'ai même pas vu que c'était toi d'habitude, tu... D'habitude, tu fais parler Chantal, c'est pour ça. Ah, ça arrive, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Tu sais, l'administration n'a pas que des bons côtés. J'espère que tu vas bien quand même, à part ça.
Dès que je publie une vidéo sur YouTube, je regarde ton live en même temps. Mon PC apprécie pas. C'est ce que tu dois être que être sur mon live. C'est tout. Vive le jus de pomme. Ah, mais c'est pas lui qui s'appelle Pomme. Donc on peut pas dire qu'il a du jus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui, d'accord, si, j'ai compris. Elle aussi, elle peut avoir du jus. D'accord, c'est bon, j'ai pas besoin d'image. Mmh. Alors, déjà des sacrées niches, hein. Je sais pas ce que ça va donner quand elle sera un cloque, hein. Qui c'est qui parle? Qu'est-ce que c'est que cette vieille peau? Ah! C'est Cathy Petit. Il m'a bavé dessus, ce con, là. Ça doit être sa mère ou un truc comme ça, ouais. Sauf qu'elle traîne près de la poubelle, alors elle me fait penser plus à une clocharde qu'autre chose, mais bon. Ça va, Mamian? On sait pas si c'était la mère ou la grand-mère, alors dans le doute. Putain, mais. Ta-la-la-la-la-la, pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Le baby, c'est quand ils iront se coucher. Coucou le chat. Je m'appelle Jamie. J'adore pisser partout, casser des choses et emmerder le monde. Le jus mélangé à pomme. Oh. Oui, bien le bonsoir, Nélin, tu tirais du 8. Comment allez-vous, mon cher? Merci pour votre raid. J'espère que votre livre s'est bien passé. Et que vous avez la baraka. Comment allez-vous, monsieur, mon cher? Ça a l'air d'infirmière à donner. Ça gagne 2000 balles, une infirmière? Net ou brut? Vous arrivez au moment du câlin. Alors, pour ceux qui savent pas, nous sommes sur les cimes, sur le Notso Berry. Nous sommes à la génération verte qui équivaut à la génération 9 du Notso Berry. Ici, les précédents héritiers avant Pom Pom. Et aujourd'hui, on a beaucoup avancé parce qu'on a viré son frère. Son frère qui s'est marié avec sa copine et qui vont sûrement avoir un enfant. Et nous avons fait emménager ce cher Mathias, qui a certes quelques problèmes de subodoral, de sous de bras. Mais qui t'es qui, toi? Mais fous le camp! Qui sera donc le père des futurs enfants de la génération bleue, qui est la dernière génération du Notso Berry? 2000 net à l'hôpital? Bah putain, je vais aller bosser en tant qu'infirmière, moi. Pourquoi il y a toujours que un viewer? Je sais pas. Après, si parti... En fait, t'as jamais la totalité de tes viewers qui partent sur un raid. Il y a toujours une partie qui participe pas, sachant que tu peux choisir de participer ou pas. En vrai. Et il faut que t'attendes un petit peu le temps que ça se fasse automatiquement, mais t'as à peu près une moitié... Qui se joint automatiquement, mais après, ouais, t'as selon, y en a qui veulent pas. Parce qu'ils sont mauvais, tout simplement. Rise of the Raider, c'est quoi ça? Je connais pas du tout, nous boutons des culs. Bah bravo, et après tu viens chez nous. Tu sais qu'ici, on est tous des culs. Petits, certes, mais quand même. Quand même. Ouais, il faut attendre en fait, il faut attendre quelques secondes qu'ils se mettent bien en place le raid et puis après, normalement, ça se met automatiquement à jour. C'est chiant de participer à des raids puisque tu entends jamais la fin des phrases du live que tu suis de base. Ouais, j'imagine. T'as oublié un mot? Oh, ouais, venant de toi, c'était ton nom, Nella, tu tirais du 8. Non? Je rigole parce que c'est... voilà. C'est son truc à lui, ça. Hein? Depuis le temps qu'on se connaît, il a toujours oublié des mots.
jour. Bon, alors, vu que c'est... Vu qu'elle, elle est pas en forme, c'est lui qui va la féconder. Pour changer, en effet. Mais ça me fait rire, parce que j'ai à avoir l'habitude. Oui, donc, Rise of the Tomb Raider, je vois déjà un peu mieux, mais je ne connais quand même pas. Ah là là. Ça va, tu t'étouffes pas dans mon cou, toi, là? Non, c'est tout juste, hein. Oh. Merci beaucoup, King of Foam, pour cet abonnement offert à Lil Axel. Ça y est, vous avez, ça vous a repris comment dire, l'allergie au non-sub dans le chat. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Isuel, et demi-boule, parce que ben, je tiens le chaton de l'autre côté, donc je peux pas tout faire. Tu as combien de portraits au mur? J'en ai vu 7. Non, non, normalement, il y en a 8. Normalement, nous n'avons... Mais c'est quoi, ça? Ah oui, c'est la mère, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que nous sommes à la génération 9 et j'ai pas encore fait les portraits de Pom-Pom. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein, dis donc. Réveille-toi aussi, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Embrasser. Oh, il est mignon, il veut l'embrasser. Oui, bah c'est pas grave, tu vas... Bon, on va remettre ça, hein. Faut être sûr que la petite plante, la petite graine a été plantée, hein. Savez-vous planter des bébous? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des noubous? À la mode de chez nous. Salut petit cœur, comment vas-tu? Et il se demande pourquoi on lui dit qu'il était en l'air. Alors sinon Lil Axel, tu as le choix. Parce que ça y est, c'est nouveau, ça vient de sortir aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je banne King of Pom? Temporairement, évidemment. Suite au sub qu'il t'a offert. Vous verrez jamais mon cul. Bah, on n'a jamais demandé à le voir non plus. Hé, tabarnak! Salut Fanny, comment vas-tu? Salut Fomono, comment tu vas? Ah, Fanny, toi-même, tu peux me redire également. Si tu as envie que King of Foam se fasse ban, n'hésite pas à me dire. Tu n'as qu'un mot à dire dans le chat. Et tu sauras... voilà. Moi ça va, tranquillou. J'ai un chien dans les bras. Et j'essaye de faire des bébés à... Ah, si tu peux, tu pleures, on s'en fout, mais... Tu pleures et tu dors, quoi. Non mais tu as le droit de dormir là, Jean-Claude, hein. Tu peux dormir là, hein. Oh, j'ai oublié qu'il s'appelait Mathias. J'ai dit non. Oh là là. C'est Sims. Et merci King of Home, du coup, à l'autre abonnement offert à Fanny. Gros bisous à toi, demi-smiley boule, évidemment. Je le remercie, je vais pas le banner. Oh, zut, hein. Vous verrez que mon first. Ah, Nélintu. Ça va super, sauf que j'angoisse un peu pour la rentrée de mes 4 amours. Surtout la dernière qui va en maternelle. Ah, oui, j'avoue. T'es 9-2, ouais. Pourquoi tant de haine? Genre, comme ça, ça vous fera les pieds. C'est plus moi qui vous banne, ce sera ceux à qui vous offrez les subs. S'ils ont envie, ben voilà. C'est pas de la haine, c'est de l'amour. Je vous rends autant d'amour que vous m'offrez. Sinon, n'hésite pas, Fanny. Hein. Tu me dis un mot et... Allez, j'enregistre parce que peut-être que Bébou... peut-être que Bébou pas. Et on fera la petite journée du lundi. Ah bah Bébou, hein, ça y est. La génération bleue est en route, messieurs, dames. Bien sûr, ce ne sera pas aujourd'hui qu'elle accouchera, hein, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, vous pourrez réfléchir et faire vos devoirs pendant une semaine. Ouais. Vous avez une semaine pour essayer de trouver des prénoms sympathiques pour la génération bleue. Personne ne voudra nous ban, donc ça va. Ouais. Ça dépend en qui, hein. Non mais lui, il a fond, hein. Ah, il a chaud cul. C'est pour ça. Ambroise Forceuse. 8 moins.
Je m'en doutais que quelqu'un allait dire Azure. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. T'as eu peur? Ça te fera les pieds. CA? Comme la CA Tibiza? On banne pas, on est des petits culs sympas. Trop. Oui, à part toi, mais je te comptais pas. Hein? Non, mais moi, je veux pas vous ban. C'est vous qui cherchez à vous faire ban. Ça sent encore la pisse, hein? J'ai beau nettoyer le canapé, ça sent toujours la pisse. Je comprends pas. Tu l'avais pas déjà fait, ça, King of Pop? Je comprends rien. Merci encore pour ton sub jusqu'au mois d'août. Merci. Oh, punaise. 10 000! Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien-gorge. Évidemment. Gros bisous à toi, Ismail et Boule. Merci beaucoup. Océane pour une fille. Azuline, bleue. Pourquoi pas? Pour une fille, Ondine, Océane, Marine. Alors, Ondine, je l'ai déjà fait. Voilà. Allez, on va aller confirmer ça. Après, qu'elle ait mangé. Là, c'est Jamie qui fait du bruit. Hein. Non, on le banne pas. Très bien, Fanny. Très bien. Je pense plus à le roi pour un mec. Le roi Merlin? C'est bleu, ça, le roi Merlin? Azula pour une fille. Parce que c'est le féminin d'Azur, c'est ça? Marine, je valide, je m'en doutais de celle-là. Saphir. Après, vous avez toute la semaine, hein. Mais comment se fait-ce? On voit déjà qu'elle a des boobs gigantesques. Des boobs gigantesques pour la petite pommette. Ah, et le bidou aussi. Génération bleue is coming. The blue generation. The last one is right here. Oh, Nubu! D'accord, beaucoup de villages, c'est bien. On est content de savoir que les villageois sont villageois. Ouais, du coup, elle va aller pleurer, parce qu'elle est contente d'être enceinte, mais elle va quand même pleurer un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Elle va prendre une douche, Janine? Ah, tu vas... Elle va aller taffer. Zut. Ah, bah oui, mais on a un homme de ménage. Comment on fait? On le vire? Ah oui, Jenny, elle travaillait aussi, c'est pour ça. Ah, s'il te plaît, il est payé juste à tirer la chasse. C'est quand même grave, hein, de payer quelqu'un pour ça. Ah, pour le bleu roi. Ah, d'accord. Manger pour trois. Si c'était jusqu'en juillet 2022. Oh là 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 là. Donc toi, tu rajoutes un mois, quoi. Tout va bien. Agathe. Le jus de pomme à paumer. L'Irois, c'est trop couille. Trop couille. Oups. Vous avez rien entendu. Oh purée, c'est l'heure des squats en plus. Oh l'enfer. Très bien. Et bah pendant que je vais faire du sport, lui, il va pisser et puis il va y courir. Et pendant qu'il court, moi, je squatte. Ça vous va? Allez, tout le monde, là. Tout le monde commence à se lever pour les squats, là. Ah ouais, moi, je vous banne si c'est pas... Si vous faites pas... Ouais, j'aime bien ban aujourd'hui. J'ai envie de ban. C'est trop quoi? Non, rien. Non, rien. Si vous avez pas entendu, c'est parfait. Allez, c'est parti pour les squats. Ah oh, ah oh, mon gros cul. Mon gros fessard. Oh. Vous êtes prêts? On écartait les jambes de la valeur du bassin. On relevait les petits orteils vers le ciel. Ça, c'est mon bide. Attends, je vais reculer un peu. Parce que là... Ce jeu est buggé. C'est vraiment de la merde. Ouais. Allez. Et attention. Et 1. Et 2. Et 3.
4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Et on fait durer la serviette. Ah, ah, ah. Et ça fait mal aux petites gambettes. Oh. Oh, je m'étouffe avec ces conneries. Ah. Lapsus révélateur, c'est ça, Kitty. J'ai une dispense, quel dommage. Oh là 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 là. Flemme des squats, bah voyons. 3 bannes déjà. Ah bon? Tu peux me ban un jour? C'est possible, oui. Je crois qu'il est malade, le Mathias. Excusez-moi, j'ai une capacité pulmonaire digne d'un enfant de 5 ans, là. En ce moment, c'est enfer. À la tienne, Chouiza. J'ai failli avaler de travers. Voilà, c'était aussi pour Chouiza, ça. Mais courageuse à cette heure-ci. Moi, je me pavane. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un âne, tu veux me ban? Alors vas-y, banane. Oh là 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 là, Minstor, mais quel jeu de mots! Et j'en vais le lire même. Fallait bien que je le mette celui-là. Ça y est, je l'ai enfin. Merci! Merci, merci pour les squats, en tout cas. Alors, aider un collègue. L'un des collègues de Pomme a besoin d'aide pour une tâche. Pistache. Que doit-elle faire? Elle apporte son aide ou elle mobilise l'équipe, ou alors elle apporte l'équipe ou elle mobilise son aide. C'est vous qui choisissez si à sonner. Bonne-moi un jour STP. Non, non, j'ai pas envie. Est-ce que je peux te ban un jour? Ah, j'ai jamais vu ton profil. T'as un ban une fois. Bah oui, je suis con, c'est moi. Tout va bien. Bannir temporairement. Bon, ça a changé? Ah mais c'est vrai que je suis pas avec OBS. Du coup, j'ai pas la même interaction. Merci, je... De rien, de rien, de rien. Des bisous, Nélin, tu tires du 8. Nul et fier de l'être. Apporter son aide. Jeune enfant de 5 ans, il court toute la journée. Faut lui couper les jambes, hein, à un moment donné, tu sais. Je pense que en plus, tu pourras faire de bons gigots avec. Et tu seras tranquille. Il doit avoir de la bonne viande, vu qu'il court tout le temps. Elle va attendre. Qui c'est qu'elle va attendre? Apporter son aide. Bon, vous êtes au moins 2 à suivre. Merci beaucoup. Eh ben, on va apporter son aide. Voilà. C'était pour me... Ah mais non. Et gain de performance moyen quand même, hein. Oh j'ai hein. JJ. Ah oui c'est vrai qu'il a pas de table. Normalement elle a la promotion. Qu'est-ce que tu fais? Il va y patiner. Bah va patiner alors. T'as que ça à foutre de tes journées. On va admirer son skill. Bon, déjà, il se débrouille 10 fois mieux que moi. Pour le sondage. Ah ouais, mais c'est trop tard. J'arrive pas à attendre. Après, on est déjà à 1h49. Hein. Faut que je finisse l'enregistrement dans 10 minutes. On monte sur un pain de viande. Oh la petite voiture. C'est très intéressant ce gameplay. Non, je suis nul à 80%. Ah ouais, quand même. Personne me soutient sur ce chat en fait. C'est ça. Personne ne compatit avec mon malheur. D'ailleurs, ce soir, vous vous douchez tous avec une bouteille d'eau. Je veux rien entendre. Vous avez pas fait les squats. Donc vous vous douchez à la bouteille d'eau. Et ouais. Ah oui, ce soir ou demain matin, je m'en fous. Prochaine douche, c'est bouteille d'eau pour tous. Et salut Mélanie, comment vas-tu?
Non, je rousse pète. Eh ben pète, mon petit, pète. Pourquoi tu veux que je te banne? T'as envie de t'infliger quelque chose, là, qui n'est pas mérité? Moi, j'aime bien ban quand vous voulez pas. C'est mieux. Parce que je suis une connasse. Oui. C'est quoi cette histoire d'eau? Ça fait plusieurs fois que j'entends parler, mais pas sûr de comprendre. Alors, Erin Hermès, c'est parce que j'ai une fuite d'eau. Qui donc fuit chez ma voisine du dessous. Et quand elle est rentrée de vacances depuis 2 semaines, moi, je coupais l'eau, sauf quand j'en avais besoin. C'est-à-dire que pour me doucher, pour faire ma vaisselle, pour faire à manger, pour tirer la chasse, pour... Nous donner de l'eau à mes chats, pour me donner de l'eau à moi, enfin bref. Mais je coupais le reste du temps. Et elle est revenue de vacances, et à minuit elle m'appelle pour me hurler dessus comme un poisson pourri en me disant « Ah mais ça goûte, il y en a partout, tu arrêtes absolument d'utiliser de l'eau. » Et comme je suis conne et gentille, bah j'arrête d'utiliser de l'eau. Donc vous savez que je me douche à la bouteille d'eau à la place de la douche normale. Voilà. Je peux vous dire que c'est pas facile, ça rafraîchit. Mais là, je vais remettre de l'eau chaude un peu dedans parce qu'il faut pas déconner. Il commence à faire frais et c'est hors de question que je me douche encore à l'eau froide. Voilà! Je vais t'aller faire de dos. Des bisous tout le monde, agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule agent 21, titi coin coin. Des bisous Marie, bonne nuit! Dame Shirley adore la vitelle, très très bon pour la peau, redonne du punch. Ouais bah du coup j'ai acheté des bouteilles et toutes les bouteilles de coca que vous voyez j'en ai recyclé hein. Parce que comme j'essaye d'utiliser le moins d'eau possible, je bois du coca à la place de l'eau. Parce que je me dis le moindre goutte d'eau peut me servir à autre chose que boire en fait. Donc et c'est pour ça que j'achète des plats préparés en ce moment pour éviter de faire à bouffer et de faire de la vaisselle. Et donc j'ai eu une date. Et les travaux vont commencer chez moi, enfin, pour la réparation, mardi. Prends un bain, bah, j'ai pas de baignoire, donc ce serait compliqué. Super, le voisinage folle dingue, voilà, c'est ça. Ah non, mais de toute façon, elle me harcèle depuis et tout. Hier, il y a quand même fallu qu'elle envoie un mail, elle voulait absolument savoir les dates des travaux. Date que j'ai eu hier seulement, quoi. Bah ouais, bah... Parce qu'après, elle va encore me dire « Hé, t'avais autant de semaines pour le faire !» Ben, oui et non, parce que, si tu veux, déjà, le plombard, il répond jamais. Il a jamais envoyé un rapport pour dire que ça venait bien de chez moi et pas d'ailleurs. Donc, moi, je savais pas pendant ce temps-là. Enfin, bref. Et puis, quand je lui dis que j'avais pas le temps, parce que madame était en vacances, donc elle a cru que moi, j'étais en vacances également, ben, que j'avais pas le temps de le faire, et puis, voilà. Et je me suis engueulée comme une grosse merde. Flou, bah parce que c'est pour cacher ma mocheté. Bah j'ai une vie, c'est ce que je vais. En fait, ça, quand elle m'interdit, je dis ah donc là tu vas m'interdire de, tu vas me dire que je dois puer, que je me lave plus en fait. Ah bah si tu veux, tu peux venir prendre une douche chez moi. Bah déjà t'es pas là, t'es en vacances. Et de deux, y a pas qu'avec une douche que je vais avoir besoin d'eau. T'en as besoin pour tout en fait. Pour boire, nettoyer. Oh putain! C'est Shirley. Shirley vieille et Shirley en culotte dans le quartier! Avec son gros cul, elle le tramène. Bref. Tu fais tout avec l'eau en fait. Tu bois, tu nettoies, tu donnes à boire à tes chats, à tes plantes, tu te laves, tu fais à manger, je sais pas. Bah, je remets l'eau que pour tirer la chasse d'eau. Parce que je peux pas faire autrement. À un moment donné, quand t'es chez toi le week-end et que tu peux pas aller chier chez les voisins. J'ai pas une vie comme eux, je suis pas couché à 22h moi. Donc faut que je me vois pas aller sonner toutes les 5 minutes en disant « Ah, j'ai besoin d'un verre d'eau. Ah, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ah, je dois chier. Je dois pisser. Faut que je rince ma casserole. » Bah non, en fait. Donc voilà. Mais je retiens ça, c'est un truc que je retiens. Hein. Et après, elle me dit « Oh, ça doit pas être évident pour toi !» Mais ferme ta grande gueule, en fait. Voilà, c'est tout. Bah, bien sûr que non, c'est pas évident, hein, connasse. Et tu te poses même pas de questions de comment j'arrive à faire autrement, quoi.
bouffonne. Ah, tu vas regarder la chaîne Cuisine pour apprendre à faire à manger pour tes futurs enfants. Ah, mais non, il aime bien. Il est content. On s'en rend pas compte au quotidien, mais on s'en sert énormément. Mais bien sûr, mais tu t'en sers pour tout, quoi. J'ai fait mon simsef pour le bachelor. Bravo, Pleurnicheur. Des bisous, Martialoux. Je suis à la moitié nue. Ouais, bah, heureusement que c'est pas celle qui est en chair et en os. Hein. En gras et en os, pardon. Pour la peine, fais des sauces pour ton sport, tiens. Elle serait... Bah non, il paraît qu'elle entend rien. J'ai déjà fait un tapis du pied. Quand elle a osé me dire qu'elle connasse du dessus qui bartèle sur mon plafond, que non, c'était pas un manque de savoir-vivre. Je suis ben si, en fait. Me prendre de la flotte, me prendre des moumounes de balais et des conneries comme ça dans la gueule. Si, c'est un manque de savoir-vivre, mais bon. Ah ouais, elle m'a sorti ça. J'ai fait, ouais, d'accord. Ouais, il a tout compris, lui. Il fait le ménage. Elle a pas eu la promotion. Je te demande pourquoi je joue, connasse, là. Ah bah putain, t'auras pas servi à grand-chose, Jeannette, hein. On n'a pas le temps, le Hulk. Nous, on a une vie, maintenant. Oh. Elle t'engueule, puis devient sage. Ah non, mais elle essaie de faire sa grande âme, tu sais, genre... Ah oui, si tu veux, tu peux venir prendre une douche. Ouais, une. Je sais pas, je pose... La prochaine fois, je poserai la question, genre... En fait, tu manges pas, tu bois pas, tu pisses pas, tu nettoies pas dans ta vie. Eh ben non! Apparemment, madame... Bah, lui, je vais le foutre au bain, là. Il va se prendre un bain de mousse. Ça va le détendre, parce qu'il arrête pas de faire du sport, bichette. Attends, quoi? Quoi, le Hulk? Salut, Frangine, tu veux voir ce nouveau mème que j'ai trouvé sur Simstagram? Je le trouve super drôle, qu'en penses-tu? Lol, génial, je comprends pas. Oh, je comprends, ha. Ah, je savais que tu allais adorer. Dès que j'entends parler d'un château à la vente pas cher loin de chez moi, je tiendrai au courant. Bah, j'espère. Un manoir ou bien un château, c'est quand même plus cher. Hein. Manoir, c'est déjà pas mal. Ah bah voilà, elle est plus triste. C'est quoi ce jeu? Ah, c'était dans les Sims 3, ça. C'était la chasse aux fantômes, non? Bah non, c'est quoi ça? C'est pas les Sims 3, ça. Si, ça, c'est Sims 3. Mais ça, c'était aussi Sims 3, ça? Ils ont l'air trop beaux pour être des Sims 3. Je sais pas, dans les assurances, faut pas te laisser faire. Je suis trop conne, qu'est-ce que tu veux? Un jour, je me ferai tatouer, trop bonne, trop conne. Vaut mieux pas que tu te douches et si elle nettoie pas. Bah écoute, je sais pas, hein. C'est peut-être pas elle qui nettoie, hein. Madame, elle a sûrement plus d'argent que moi, tu vois. Merci beaucoup, tonton Mouzo, pour ton follow. Bienvenue à toi. On va se mettre en quête d'un châtal et d'un manoir pour toi. Ouais. Pas trop cher, hein. J'ai pas trop le budget. On va prendre une douche par mois et manger les pisses dans une jardinière. C'est pas possible autrement. Ouais, bah ouais, c'est ça. À bouffer que des trucs secs, évidemment. On est à 1h59. Alors tu vas manger, biche. Et puis après tu vas te coucher. Mais lui il est reparti faire du patin. La patinade. Vas-y, un patine. Hein. Comment ça t'as gerbé toi? Oui, wesh. Depuis quand ils gerbent quand ils sont nauséeux? Je suis choquée, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il gerbe, moi. Oh, je suis Keiko. Il faut créer un jeu vidéo et des applications pour s'en inspirer. Va manger, Germaine. Ou je sais, ils ont plein de prénoms différents, mais Sims. Tonton le gazon. Ah oui, tonton Mouzon, est-ce que...
que tu as un gazon? Est-ce que tu tonds régulièrement ton gazon? Tonton. Elle mange que des graines, des nouilles déshydratées. Mais oui, mais je savais pas qu'il allait gerber. C'est différent. D'habitude, ils sont malades, ils ont la tête qui tourne, ou ils rigolent, et puis basta, tu vois. Non, pas tonton. Bah écoute, il peut rien, il est venu nous dire bonjour, là, tonton Mouzo. J'ai vu la tête tout le week-end, il gère depuis toujours, on est là, t'as les WC sales après. Bah non. Bah, t'as déjà fini de bouffer, toi, Germaine? Regarde, elle est morte de rire. Eh, vous allez niquer un petit coup, là, et puis on finira là-dessus. Bébou, blou, 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 nou, bou, arrive pour la semaine prochaine. Ouais, 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 ouais. Elle est toute zébrée, la Gertrude. Eh bien, ce sera sur ce crac-crac maladif que nous terminerons ce stream, les enfants. La semaine prochaine, première arrivée de la génération bleue, forcément une fille, bien sûr. Sinon, j'annule la grossesse, hein. Ou on fait changer de sexe, sinon ça ne sert à rien. On ne veut pas de garçon, c'est jamais de garçon. Faudrait que j'achète des fraises, tiens. On va tricher, on va tricher. On va tricher pour avoir le nouveau désiré. On veut pas de mec, non, une fille c'est mieux. Voilà, allez, c'est la fête au village. Je vous fais des bisous YouTube, n'hésitez pas. Commenter, liker, partager. Grognasse, tu... Mais pourquoi tu veux dormir dans le canapé? Espèce de... Pomme. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas. Et puis partager la chaîne aussi, ça peut être sympathique. Hein. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch également. Ciao.